2, 1. Eh bien, salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné une simple vidéo. D'habitude, je suis en live et je vous mets les rediffusions de live. Aujourd'hui, j'avais juste envie de tester ce petit jeu d'horreur qui s'appelle Loco Parentis, qui m'a été gentiment donné par les développeurs, qui s'appelle Fair Games Play, il me semble. Et donc là, on est sur Loco Parentis qui, à la base, s'appelle Adoption. Ils ont changé le nom durant la nuit, je sais pas pourquoi, là il s'appelle Loco Parenti. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je voulais tourner sur Adoption et je le voyais plus. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont changé le nom du jeu. Bref, c'est pas trop grave. Juste, moi, je voudrais noter un petit truc. À la base, ça a l'air d'être un jeu fait pour la VR. Du coup, il est pas très optimisé pour jouer en normal. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On va tester quand même, voir ce que ça donne. Open the door to start. Ok. Alors, comment j'ouvre la porte? Ok, tout simplement comme ça. Et y a un truc à faire. Y a pas une flashlight, quelque chose? Changing, scrolling. Ah, voilà. F. Ah, bah, j'ai pas de flashlight. Y a pas une flashlight dans le coin là? Par hasard? Pick up the item, ouais. Ok, donc on peut jouer en coop. Mec, ok, d'accord, donc faut appeler pour pouvoir jouer en coop. Ça, c'est quoi ça? To change object in the hand, ok. Ok, je peux appuyer sur tab. Apparemment, pour voir différentes. Don't forget the closed door, ok. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'aller, on va avancer. Oh. Close the door. Celle-là, là? Waouh. Bonjour. Can you help me find my mother? Non. Ah non, je cherche la. Alors en général, quand t'es une gamine, tu t'approches plutôt d'un adulte. Tu t'enfuis pas dans des couloirs sombres et lugubres. Donc, ok, on va accepter ça. Waouh. Il fait grave stylé. On peut ouvrir ça. Prendre un bout de papier. Et attendez. Je comprends rien à ce qui est écrit. What? Ok, bah j'ai jeté. Hop, je vais appuyer là. Pour sonner à la porte de chez la madame. Peut-être que je peux ouvrir la porte. La porte ne s'ouvre pas. Ok. Ok, mais c'est pas grave. On va faire autrement. Donc là, c'est l'ascenseur, sûrement. Non, c'est pas du tout un ascenseur. Par contre, ici, on a une bouteille. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de lampe torche. Donc, je vois absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça, c'est quoi ça? Une canette! Ah, bah oui, génial. Bon, c'est pas grave. On va. What? What? Wow. Eh, j'ai pas. Calme-toi. Merci. Putain, ils sont dingues ici. On va pas ouvrir la porte là. Ok, donc déjà ici ça s'ouvre tout seul. On va pas y aller maintenant. Wow. On se calme. This little ginger girl looks like the one I knew when I was a child. Quite the family resemblance. Ok. Par contre, c'est assez bizarre. T'es obligé de regarder en bas là, à ce niveau-là, pour que les sous-titres arrivent. C'est chelou. Alors j'aimerais bien aller en haut. Avant d'aller là, ça me perturbe un peu. C'est pas grave, on va y aller. On a récupéré quoi? Oh là! Oh là là! Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça chez vous. Il y a le Slenderman. Pourquoi elle pleure, elle? Wow, on voit que dalle. Ah, je peux pas aller là-haut, ok. Au moins maintenant, je sais que je peux pas aller en haut. Arrête de pleurer, petite. Ah, what? Ok, il m'impose le fait de regarder. Oh
Oh, mon ombre déchire sa mère. Ok. Ils m'ont dit que je pouvais. J'avais un. Une flashlight là. Je l'ai ou pas? Peut-être pas la même touche sur AZERTY. Non. Putain, j'avais même pas fait gaffe, mais depuis tout à l'heure, je joue en WASD. J'avais même pas tilté. Tellement l'habitude de jouer à des jeux anglais comme ça, d'horreur indépendant, qu'ils le font pas en... ils font pas la conversion en AZERTY. Ce qui est assez dommage. D'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va ouvrir tout. Peut-être trouver un truc à l'intérieur. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une canette. Excellent, on apprécie. Seen that crone? How could anyone fall that low? She thinks from a mile away and looks disgusting. Ok, d'accord, ça fait restart le truc. Ça, on y aura après. Quoique, on peut peut-être y aller maintenant. Essayer d'ouvrir la porte. I'm not scared of you. Get out of here. Ok, c'est bon, je me casse. Ah, ça, on peut l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, bon, rien d'intéressant apparemment. Et là, y'a quoi? Wow! Qu'est-ce qu'on en... La sensibilité, elle est trop faible. En VR, ça doit déchirer, ce jeu. Malheureusement, moi, j'ai des problèmes avec la VR. Je peux pas jouer avec un jeu en VR parce que ça me donne mal au crâne. On joue un mec ou une femme? J'ai l'impression de jouer une femme, là, non? Ouais, on joue une femme. Ok. Bon, apparemment on peut absolument rien faire, donc faut redescendre encore. Et là je vois absolument rien par contre. Et sans déconner, j'ai vraiment pas de lampe torche? Non, attendez, là je peux pas aller en bas sans lampe torche. Je l'ai raté quelque part, c'est pas possible. Ah. Ah non, ça c'était pas prévu. Ouais. Ok, donc je peux fermer ça. À quoi ça sert? Je n'en sais rien. Downstairs. Ok, donc faut que je m'en aille. Et pour partir, faut que je descende. Ok. Mais j'ai pas la... C'est quoi la touche de la lampe torche? Attends. What? Qu'est-ce que... Ah! C'est bon. Ça à quoi? R. Ok, j'ai trouvé la lampe torche. Là, ça fait vraiment flipper. Wow, wow, wow. Follow the water. What? Ouais, bah t'attendras. Ok, j'ai compris. Alors, je pense qu'il doit y avoir une surcharge. Donc, si je ferme celui-là et que j'ouvre celui qui est en dessous, ça donne quoi? Attention, ça fait grave flipper. Ça marche pas. Ok. What the fuck? Ok. Comment ça fait peur? My god! En plus, avec les bugs, étant donné que c'est un jeu VR,
Il est pas très bien optimisé pour souris là. Enfin, pour sans la VR. Donc ça fait un peu flipper quand même. Oh! Mais ma lampe torche elle est où? Oh non. Je peux plus bouger. Non! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh non! Non, 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 non! Oh là, c'était sûr! Oh! Oh, oh, oh! Oh, calmons-nous! Qu'est-ce que c'est que ça? Can you help me find my mama? What, ça vole? Oh, si je le mets dedans. Merde, il est passé où? Merde, je l'ai jeté, je sais pas où je l'ai mis. Non! Oh non. Bon bah je l'ai jeté, je sais pas où j'ai mis. Ah, bizarrement là ça fonctionne. Bizarrement là. I lost my flashlight and now I'm afraid to go down the stairs. It's okay, we'll buy you a new one. Ok, donc la flashlight lui appartient apparemment. Elle appartient à ce gosse. Je vais voler. Wow, wow. La porte elle bug un peu. Take it. Don't shoot. Just watch out. Frighten her. Oh, il y a un cadeau. C'est pour moi, mais fallait pas. Hein. Non, vraiment. C'était pas nécessaire. Oh, un flingue. What the fuck? Ah, je pouvais taper à la porte. Sympa. Oh. After it shot, I will leave a bullet someone lobby. Ok, go. Oh, il me tue ce bâtard. Ah! Casse-toi! Ah, c'était sûr. C'était sûr. J'ai pas compris. Faut que j'arrive à passer à côté de lui sans me faire toucher. Bah apparemment... Wow, wow. Oh non, je recommence tout à zéro. Oh ouais, bon non, mais c'est bon. C'est bon. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai pas du tout envie de recommencer à zéro le jeu. Attends, on va voir si on recommence vraiment à zéro. Ouais, ouais, on recommence à zéro. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce jeu a l'air vachement intéressant. Mais il va falloir être travaillé au niveau performance là, parce que, enfin, comment dire, au niveau optimisation plutôt, parce qu'il n'est pas du tout optimisé pour ceux qui n'ont pas de casque VR, et je sais pas du tout ce que ça donne avec un casque VR, donc voilà. Bref, sinon moi j'ai bien aimé le jeu, des petites énigmes sympas, on avance pas mal, et puis y a des petits screamers, donc c'est plutôt cool. Bref, sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, et à bientôt, tchuss tout le monde.